Pour toi, ce terrain, il est tout trouvé. Mais pour ces personnes qui veulent t'aider à travailler, il faut faire en sorte de trouver le bon endroit, la bonne case et le bon terrain pour qu'ils se sentent à l'aise et puissent t'aider de la meilleure manière possible. Il n'y a rien de pire que d'avoir la sensation de ne pas être à sa place. Et pour le coup, donner une tâche à une personne qui veut t'aider mais qui ne se sentira pas à sa place, c'est la pire chose possible dans le genre, car non seulement elle ne se sentira pas utile, mais surtout, elle ne cherchera pas par la suite à plus t'aider que cela. Disons que, bien au-delà de simplement te filer un coup de main, cette personne a surtout envie que tu mettes à profit des qualités qu'elle doit avoir et dont elle souhaite partager la base pour faire en sorte que toi, comme elle, puisse apprendre quelque chose de cette expérience, en tirant du positif avant tout, et par la suite peut-être essayer autre chose qui lui permettrait de pouvoir continuer avec toi une aventure qui ne ferait finalement que commencer. Une aventure qui deviendra sans doute beaucoup plus intéressante, passionnante et prenante si tu trouves son terrain pour faire en sorte qu'il soit à l'aise. Car il ne faut pas oublier que si le premier exemple que je viens de te citer fonctionne pour une personne qui sait exactement ce qu'elle aime faire et comment le faire, la plupart du temps, les gens qui vont vouloir te filer un coup de main cherchent simplement à aider une personne qu'ils apprécient et n'ont peut-être pas de talent ou d'envie particulière. À toi de faire ressortir le fameux point que j'évoquais dans la vidéo juste avant, l'idée de bien les connaître. Comme cela, non seulement tu pourras te fier à eux, mais en plus tu sauras pertinemment ce qu'ils auront envie de faire et tu pourras les orienter dans la meilleure direction possible. Pour non seulement s'épanouir tout en participant à quelque chose et en plus tu pourras te permettre de les aider à trouver peut-être une vocation qui les poussera potentiellement à se lancer dans quelque chose de plus grand, de plus impressionnant et de plus juste pour eux. Je vais prendre un petit exemple personnel pour que vous arriviez à cerner tout cela et surtout que vous reteniez la chose la plus fondamentale. Au début de la chaîne, je bossais beaucoup avec deux personnes, mais la personne qui m'intéresse ici est celle avec qui j'ai le mieux travaillé. Car au début, Capucine m'aidait surtout pour des simples chroniques durant lesquelles on discutait autour d'un film. Mais rapidement, elle m'a exposé son envie de parler de séries et de mettre en avant certaines séries qui ne trouvaient pas leur public. Et donc, nous nous sommes lancés dans l'aventure Off-Season, qui nous a permis de toucher un public qui n'était pas forcément fan de cinéma, mais surtout, cela a permis à Capucine de trouver un terrain sur lequel elle était à l'aise. En tout cas au début. Et surtout, qui lui a permis d'aller dans une direction qui lui plaisait. Tout cela pour dire que, si un ami veut t'aider, la chose la plus importante, c'est qu'elle t'aide de la bonne manière sur le meilleur terrain possible et surtout avec les meilleurs outils à sa disposition. Par la suite, on verra une petite chose assez rapidement parce qu'elle est très facile à cerner. C'est tout simplement cette idée de ne pas leur en demander trop.